La Genèse, elle est un peu complexe. Je crois que ce roman, je l'avais déjà au bout de mon stylo, au bout de ma bouche depuis un moment. Les émeutes de 2005 sont selon moi un moment vraiment très charnière dans ma réflexion. Et plus je parle de ce roman, plus j'ai l'impression que le point de démarrage et le point d'ancrage de la narration correspond à ces émeutes de 2005. Après, c'est un roman que j'ai écrit assez rapidement, paraît-il, en 2 mois, et en tout cas la version du manuscrit. Et grâce au travail de Liana Lévy et de Claude Picolin, qui travaille également aux éditions, on a pu aller un peu plus loin dans la narration. Moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais à être bousculé, à ce que le récit soit tiré vers le haut. Et j'ai fait une rencontre exceptionnelle avec Liana Lévy, et je suis très heureux. Qu'elle ait donné une autre saveur à mes idées et à ce qui était pour l'instant un fantasme et qui devient vraiment réel. J'aime le définir comme un personnage mosaïque. Il y a nécessairement une légère part autobiographique. On a à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes origines culturelles et géographiques. Pour autant, on partage peu de choses en commun. Familialement, c'est très différent. En termes humains et sociaux, c'est très différent. Personnage mosaïque parce que je vais emprunter à quelques souvenirs personnels, m'inspirer beaucoup d'histoires qui ont été vécues par d'autres, d'histoires que j'aurais peut-être aimé vivre moi-même, des histoires que j'ai entendues. J'aime bien passer du temps dans les comptoirs parisiens ou flâner dans les rues pour saisir en fait des petits bouts d'histoire. Et je pense que j'en ai pris beaucoup, collectionné beaucoup au fil des années pour donner forme à ce personnage. Un peu comme des petits bouts de pâte à modeler que j'aurais assemblés d'un peu partout, une petite boule, et j'aurais créé ce petit personnage d'argile. J'essaye de faire en sorte, lorsque je parle des monuments de mon roman, de pas être estampillé comme un roman de banlieue ou un roman écrit par un banlieusard. J'aime ton idée de personnage. La banlieue, effectivement, est un personnage pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est dans mon ADN. Moi, c'est mes origines culturelles, sociales, géographiques. C'est également dans l'ADN de mon personnage, Ben. Et ça a importé pour moi de voir comment le regard qu'on porte sur ce territoire, sur ces territoires, a parfois évolué ou parfois s'est enfermé dans ses propres clichés au fil des années. Et le fait d'avoir construit un récit chronologique et de voir des points historiques qui se répondent, des espèces de jalons qui se répètent parfois, de voir comment notre regard sur la banlieue a finalement peu changé, comment on le nourrit encore beaucoup de clichés. Et même si j'en parle peu dans le roman, moi je le sais parce que c'est mon territoire et c'est le territoire sur lequel je travaille, c'est extrêmement vivant, dynamique. Que ce soit culturellement, le tissu associatif est très très dense. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'entreprises qui sont montées. J'en parle pas dans le livre, mais c'est important que je puisse le dire également maintenant. Et de démonter aussi les clichés. Après, le roman, il est ancré géographiquement, temporellement et historiquement dans l'aller-retour de mon personnage entre la banlieue et ses grands événements et Paris, cette rêve qu'il fantasme. Cette ville qu'il fantasme, cette ville qu'il rêve, une espèce de projection idyllique de ce que pourrait être sa vie. C'était important pour moi de faire un roman avec des grands événements qu'on a tous vécus, d'une manière ou d'une autre. Donc les années 90, c'est évidemment la lente montée des extrêmes. C'est l'illusion de la France black-blanc-beur après la victoire de la Coupe du Monde en 98. À l'échelle de la planète, c'est évidemment l'effondrement du World Trade Center, les multiples guerres d'Irak, la victoire de Le Pen au second tour le 21 avril 2002, les émeutes en banlieue en 2005 et en 2007. Et en fait, je voulais vraiment cheminer et que le lecteur puisse, dans le regard de mon personnage, soit se retrouver, soit avoir une émotion, un rappel de ce qu'il aurait peut-être lui vécu d'une manière différente, ou carrément une autre lecture de cet événement qu'il n'aurait peut-être pas eu lui-même. Mais pour autant, c'est vraiment des gros repères, c'est pas des gros sabots, c'est des gros repères qu'on a tous vécu
Et je trouvais ça vraiment intéressant de faire parler mon personnage, qu'il ait lui sa propre analyse, des fois un peu lâche, des fois un peu folle, des fois très violente, mais que le lecteur puisse lui aller chercher des points communs à l'intérieur de ce récit. L'intérêt pour moi, enfin l'envie, et j'ai utilisé le mot envie à dessein, c'est d'expérimenter toutes les formes d'écriture. Dans mon quotidien, je fais énormément d'ateliers d'écriture en milieu scolaire ou dans d'autres univers. J'essaye de tirer tous les fils reliés à l'écriture. Donc la chanson, le poème, j'en aurais jamais fait le tour et je continuerai à écrire des chansons et des poèmes. L'écriture scénaristique. Et pour moi, c'était super intéressant d'aller explorer le long format, c'est-à-dire comment tirer une narration. Alors moi, une chanson, elle tient sur une page A4, parfois une demi-page A4. Et là, de tirer un propos et une narration sur 180 ou 200 pages, c'est un autre challenge. Donc il y a la dimension de challenge qui m'intéressait. Ce que la littérature m'apporte, c'est une autre voie sur ma propre écriture. Et aussi une dimension de challenge, c'est-à-dire penser à l'oral un format long à l'écrit, et une fois qu'il est écrit, chercher comment le faire résonner à nouveau à l'oral. Moi, j'aime bien cet aller-retour permanent entre écriture et oralité. Et je l'explique souvent, quand je finis une page ou un paragraphe, je la déclame, je la lis à voix haute pour l'entendre sonner. Et dans le sens inverse, je peux être amené à formuler à l'oral un propos pour être sûr qui sonne d'une manière avant de le placer à l'écrit. Là, je continue à écrire d'autres projets et je remarque que j'instille toujours une écriture un peu rythmée, parfois rimée. J'ai des schémas de temporalité et d'écriture rythmée qui viennent assez naturellement. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit systématique. Et le roman, par la place qu'il donne à l'écriture, permet de sortir de ce systématisme et de s'emparer d'autres formes. Donc moi, c'est vraiment toujours dans cette dimension de challenge, d'aller être dans des endroits qu'on ne connaît pas encore. Le moment où j'ai écrit ce roman était à la fois un endroit et un instant où je me sentais extrêmement bien. Et peut-être que c'est la drogue des auteurs, d'essayer de retrouver en permanence cet instant, ce moment, ce qui me pousse justement là, à me replonger directement dans une autre écriture, d'autres projets. Et peut-être que les auteurs et les romanciers sont saisis par ces instants-là, et qu'ils ont besoin de les revivre à chaque fois, ou de revivre cette première émotion qui leur échappe, et peut-être la poursuivre en permanence.